Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Comment me débuter sur Feed the Beast. Aujourd'hui, on se reprend juste après la fin de notre triage automatique de ressources, donc c'est complètement fini. Mais avant ça, j'aimerais surtout faire un petit message. Donc, j'ai vu qu'on était passé, bon, ça fait un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de le faire pendant les vidéos. Pendant la dernière vidéo, j'ai complètement pas pensé. On a passé la barre des 50 abonnés, donc ça me fait déjà extrêmement plaisir, même si je sais que pour certains c'est pas beaucoup. Mais en tout cas pour moi, c'est déjà énorme, hein. Donc 50 personnes qui me suivent, pour moi c'est déjà énorme, même si voilà quoi, c'est pour d'autres peut-être c'est rien, mais pour moi c'est déjà énorme. Donc un grand merci à vous tous de me suivre. J'espère en tout cas que mes conseils et mes vidéos vous plaisent. Ensuite, quelques modifications. Tout d'abord, un jetpack. Pourquoi un jetpack? Parce que j'ai fait une nouvelle quarry. Et il me la faut pour pouvoir descendre facilement au fond. Donc c'est pas trop dur à crafter. On a déjà vu tout comment ça se craft. Et celle-là, je la garde à côté. Donc ça sert également à l'énergie comme les autres protections. Et sinon, il faudra juste que je recharge ça. Mais sinon, voilà. J'ai également fait. J'ai l'impression que vous voyez pas beaucoup là. Je suis pas sûr, mais je pense que vous devez pas voir grand chose. Donc j'ai déjà tout d'abord fait pour l'extracteur, donc par rapport à la forêt automatique. Donc les bois, il rentre là-dedans. Ensuite, il se fait pomper. Il monte, il accélère, il rentre dans un hopper. Et ensuite, il redescend un extracteur amélioré. Donc je vous allais pas montrer celui-là, mais en tout cas, extracteur amélioré, voilà. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je l'avais enlevé cette machine. Il faudra que je vous la montre la prochaine fois. Je l'ai enlevé, j'ai mis dans les coffres parce que je pensais qu'elle était plus utile, mais il faudra que je vous montre comment on l'a fait la prochaine fois. Mais vous pouvez très bien mettre un extracteur tout simple avec des accélérateurs. Voilà. Donc, on peut refermer ça. Et aussi, je sais pas si vous avez vu au tout début, j'avais ma barre à droite. J'avais. Bon, c'est pas grave, on peut laisser ça comme ça. J'avais l'histoire des barrels. Pourquoi? Parce que avec ma nouvelle quarry, donc c'est pas dans un tensor, mais voilà, ça produit un max de cobble, donc ça me l'a rempli complètement ici. Et complètement ici, donc maintenant je le mets dans un coffre, un immense coffre, en espérant que ça déborde pas trop. Et pour ça, faut que je me dépêche de vous montrer comment améliorer les barrels. Mais pour ça sera pour juste après, peut-être dans la fin de la vidéo. Donc ici, presque rien n'a changé. Enfin, c'est juste un peu tout modifié. Donc, ah moi, c'est pas très pour ça. Pourquoi il y a ça? Ah, ça va devoir sortir ça. Je sais pas où, mais ça va sortir. Voilà, bah, c'est sorti là. Faudra que je récupère et que je vous montre ça dans une autre vidéo, une autre fois. Mais ce n'est pas pour l'instant. Voilà, je les mets ici. Hop et hop. Voilà, comme ceci. Donc, toujours à gauche, tout ce qui est facile à, enfin tout ce qui est aucune modification à faire. J'ai juste rajouté ici le tungstène, donc je l'ai mis dans le vert comme ça. Tout descend là et en fait j'avais remarqué que ça pouvait faire des boucles. Si par exemple ça monte ici dans le vert et que ça redescend, ça peut re-rentrer dans le vert pour remonter chaque fois. C'est pour ça que j'ai mis donc comme je vous avais expliqué les iron pipes qui servent à faire tout rentrer dans un et sortir qu'une sortie. Donc avec cette wrench là que je vous avais montré comment crafter, vous cliquez droit dessus jusqu'à que vous arriviez au bon endroit. Et donc comme ça au moins c'est sûr que tout ce qui sort de ces trois endroits, ça aille ici. Donc ça n'a pas changé. Et pareil pour là-haut, ça monte. Ensuite, pourquoi il y a ça? Ça peut modifier. Donc ici j'ai mis le charbon, enfin dans le verre il y a tout qui va, et le charbon je l'ai mis genre ici et pas ici comme j'avais fait au début pour le séparer en deux. Donc il y a la moitié qui va partir dans le vert, donc quand vous mettez les deux ça fait la moitié, donc moitié dans le vert, moitié dans le jaune. Donc dans le jaune pour faire de la
poudre de charbon et dans le verre pour regarder du charbon pur. Et ensuite, tout le reste passe dans le blanc. Et dans le blanc, après, ce qui va dans le macérateur, ça va dans le jaune. Dans le blanc, ça va au compresseur. Et dans le rouge, ça va ici. Donc, pour ceux qui vont au macérateur, puisque le charbon doit aller au macérateur, ils sortent ici. Et pour que pas le charbon, il revienne ici. J'ai mis également un iron pipe. Donc ici, on voit que pour aller au macérateur, j'ai mis ouais, dans le jaune, j'ai mis tout ce qui va à macérateur en gros. Enfin, juste que je rajoute aussi les différentes possibilités de copper et de tin et voilà pour que ça aille ici. J'ai pas fini, j'ai pas fait que le silver, je crois. Ah mince, j'ai pas mis le silver encore. Mince, mince, mince. Pourtant, je crois que je l'ai mis ici. C'est pas là le silver. Pourtant, j'ai mis le silver ici. Bon, bah, il faut juste que ça le récupère. Il faudra juste que je récupère un bloc de silver pour pouvoir le faire. Donc, il y a aussi le silver. Donc, après, ça ici. Ça ressort ici. Donc, pomper aussi. Donc, tout ce qui doit rester en macéré, donc tout simplement, c'est dans le jaune. Donc, j'ai mis juste la poudre de charbon qui peut pas se refaire réchauffer. Et tout le reste passe ici pour aller dans le macérateur. Donc ici, tout il y a tout qui sort presque du macérateur, donc également tous ceux qui vont directement dans le dans l'électrique furnace, pardon. Donc il y a tout qui sort ici et j'ai dû mettre également dans le jaune ici. Comme ça, puisque j'avais pas assez de place. Et également du fer ici pour qu'il se refasse chauffer. Donc la moitié va refaire remonter chauffer pour qu'il retourne pour qu'il se transforme en refined iron. Donc ici dans le jaune et dans le bleu, donc voilà. Et ensuite ça se rejoint ici également dans le un de fer pour pas que ça retourne là-bas ni ici. Et donc ensuite ici c'est pareil, c'est pour pas que ça revienne là-bas. Et ici juste un petit triage et chaque fois ici dans le bleu. Et dans le compresseur on avait vu que c'était juste l'uranium pour l'instant, on n'a pas vu le reste. Qui passe ici, qui descend là et qui revient. J'ai fait tout passer dessous pour qu'il ressorte ici et qu'il aille directement ici. Donc c'est pour ça que j'ai comme ça, j'ai eu comme ça grâce à l'uranium quand on le compresse. Voilà, tout simplement. Oh ouais. Donc on va laisser ça juste comme ça, comme ça pourra quand même passer. Hop. Maintenant, c'est bon. Attends, je vais aussi vous montrer. Je sais pas pourquoi j'étais un peu stressé la dernière fois. Et je vous ai dit, enfin, je vous ai juste mis les silicone cells là-dedans. Donc, ah, on en a même récupéré 4, pas mal, comme ça je pourrais vous montrer. Donc, qu'est-ce que c'est ceci? C'est l'industrial blast furnace qui n'a. Qui est. Que j'ai fourni en énergie, mais ouais, normalement, il faut l'énergie, oui. Il faut être fourni en énergie, donc en 128 EU. Non, pas en 32, donc c'est pour ça que j'ai dû le faire passer. Attends, je vous montre ça. Vous devez rien voir en fait. Non, on peut pas. Donc j'ai fait passer, enfin sortir le courant avant le transformer de 128 à 32. Donc ici toujours pareil, ça sort, ça nous donne ce qu'il faut. Il n'y a plus assez de redstone. Donc on va peut-être en prendre un tout petit peu par ici parce qu'on a vraiment besoin de tout ça. Hop, voilà. Et ensuite donc c'est des casse, voilà, c'est ça. Donc des sensors casing. Donc c'est pas trop dur. Donc 6 refined iron, soit des chipsets, soit des electronic circuits avec des machine blocks au milieu pour ceux-là. Ensuite il y a ceux-là, c'est presque pareil. Donc le style, c'est assez chiant à faire pour vous le dire. Oh, pourquoi il me montre ça comme ça? Celui-là, c'est mieux. Donc vous devez faire ça, ceci, donc tour, mince. Alors, hop, hop, hop. Voilà, donc c'est un peu long à faire, mais avec le renforceur, vous pourrez mettre plus d'énergie. Et ensuite, il faudra que je fasse également ceci, mais ce sera pour plus tard. Puisque, bon, ça va, c'est pas trop dur. Il faudra juste que je vous montre comment faire ceci. Surtout, et du chrome. Donc, le chrome, faut que j'en trouve aussi, parce que c'est nouveau. Voilà, non, le ultimate. Également, comme l'iridium, il faudra que j'en trouve également. Donc, pourquoi le tungstène, je l'ai mis là, je vous explique tout de suite. Donc, ça coûte 2 par 2 bien sûr. Donc vous voyez ici, donc il y a 4 couches de casing. Donc tout en bas c'est que des blocs avec devant l'électronique furnace. La couche du milieu c'est
C'est tout un rond avec au milieu un truc de lave pareil ici. Et tout en haut, c'est que c'est tout rebouché par des blocs. C'est pour faire une sorte de, ouais, de four quoi. Et donc avec ça, avec juste le Reinforced, on refait du 2000, 2200K. Et par exemple pour le tungstène, il faut du 3000. Donc il faut que je mette au moins toute la ligne du milieu avec du rose. Et peut-être par la fin, il faudra que je mette tout en rose. Puisqu'il faudra vraiment que ça soit un peu plus utile. Voilà, tout ça c'est toujours là. Oui, alors on va juste attendre pour pouvoir faire le premier panneau solaire, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, parfait, on remet ça là-dedans. On va pouvoir faire le premier panneau solaire du paquet Ultimate. Solar panel. Donc, vous savez quoi, on va prendre des gates, comme puisqu'on commence à en avoir, dans lesquels qu'il faut. Mince, je peux regarder. Juste pas assez longtemps, bon, voilà des golden. Ok, donc on va en prendre deux. Hop, et on peut retourner à notre base qui est ici. Hop, voilà. Ouais, non, j'en ai qu'un. Moi, ouais, j'en avais préparé un autre. Bah, j'en ai déjà préparé d'autres, donc c'est vraiment long à crafter, vous voyez. Donc, tout ça, c'est pour faire. Je vous expliquerai, mais c'est pour faire les barrels. Je pense qu'on aura le temps de le faire après. Donc, il nous faut tout ça, tout ça. Alors, il nous en faut un comme ça. Un générateur. J'en avais. Hop. Je me suis également crafté une deuxième quarry. Il faudra que je la pose. Hein. C'est pas encore. Je l'ai pas encore posé. Hop. Et encore. C'est pas ici. C'est ici. Trois comme ceci. Voilà. Tout simplement. Hop. On pose comme indiqué. Hop. 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 Et. Et voilà notre premier panneau solaire du pack Ultimate. On peut directement faire celui-là. Alors ça c'est bon, on a par ça bon, donc on l'a. Ok, donc ça on peut l'avoir. Par contre ça on peut l'avoir et également ça on peut avoir. Ça vous savez comment faire. Et ça alors ça par ça on a. Par contre, on n'a pas ceci, donc il nous faut de l'iridium. C'est la matière qui va devenir le plus important dès à présent. Et également ça, l'illumateur, il faudra que je le fasse la prochaine fois. Donc, je vais le garder là, je vais le poser. Pour l'instant, j'ai assez d'énergie, mais je vais. Enfin, j'attendrai d'avoir de l'iridium pour voir montrer la suite. Donc, on va juste prendre toutes ces machines. Hop, 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 hop. Et hop, donc normalement, si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas changé depuis, on met ça genre tout simplement dans une machine. Hop, il faut qu'on craft. Tac, tac, comme ceci. Donc de la TNT, de l'obsidienne et au milieu un diamant. Ça nous donne un craft packet qu'on met dans cette machine tout simplement sans énergie, sans rien. Et ça nous donne 18 diamond shards. Diamond shards, ça sert à quoi? Ça sert à faire. Un briquet qui va nous servir. Attendez, faut juste que je le trouve. Attends, on va juste sur utility. Non, on va juste cliquer là-dessus. Hop, utility. Bon, ça va laguer un peu. En espérant que ça ne crache pas. Attendez, excuse-moi. Voilà. Donc, pardon. Il nous faut de la nether brick également. Nether brick. Ouh là, j'en ai plus que 3. Heureusement, ça joue. Donc, ça peut servir ceci, mais c'est des briquets très très dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention. Et pourquoi un bloc de fer, vous allez comprendre. Je préfère faire ça à un endroit où il n'y a rien qui peut cramer. C'est-à-dire, par exemple, ici. Hop, on place ça dessus. Clic droit, donc c'est un briquet assez si puissant. Ne vous amusez pas avec, hein, c'est vraiment trop puissant. Et. Normalement, dans un petit instant, c'est cool, on peut voler. Par contre, on peut pas encore bloquer. Voilà, il se transforme, il brûle. J'aimerais bien que ça arrête de brûler. Et non, ça me l'a brûlé. Ah, il fallait que j'attende. Attendez, on va juste en refaire un alors. Donc, c'est pour justement les barrels, les améliorations. Donc, 9 comme ça. On va même s'en faire 2. Allez, 18. Mince, je me fais trop. C'est pas grave. Hop.
Normalement, il y a une technique maintenant, enfin avec la nouvelle mise à jour, c'est de laisser cliquer longtemps pour que tout se mette à la même hauteur tout le temps. Oh. Oh fuck that! Je suis trop con. Pardon pour l'expression, mais là vraiment je suis vraiment con. Alors il m'en faut 18 et il faudra pas que je me trompe. Je peux pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, ça pourra toujours servir. Hein, c'est. On va directement mettre au milieu, comme ça on est sûr qu'on n'oublie pas. Hop, hop, hop. Ah oui, mince, ce n'est pas comme ça, j'ai oublié. En plus, c'est même pas comme ça, je vous dis des bêtises en plus. Donc, on va juste retourner directement aux machines. Puisque pour faire des blocs de diamants et de fer. D'accord. Pourquoi j'ai ça? Ok. Dans un compresseur, voilà. Hop, et ça va nous donner les blocs. C'est un peu plus embêtant, mais ça va. Voilà, un. Et voilà le deuxième. Donc, on va se replacer à un endroit où ça peut pas brûler. Donc, on en place un là et l'autre ici. Hop. Tac. Et tac. Et maintenant, on va attendre que ça brûle. On va même pour l'instant pouvoir aller recharger tout ce qu'il faut qu'on recharge dans notre MFSU. Alors tac. Donc j'ai mis ça aussi parce que voilà, et vous voyez qu'il manque un max d'énergie. Ça en bouffe pas mal, pas mal, pas mal. Vraiment, c'est juste énorme. On va juste récupérer ça parce que sinon ça va en bouffer un peu trop. Voyons voir. Ah bah parfait. Ouh là là, ça brûle. Ouh, on se calme, on se calme, on se calme. Oh. Pourquoi je suis obligé? Ah parce qu'il y a plus d'énergie. Oh là, il faudra que je me recharge tout ça en énergie. Donc maintenant, on peut les récupérer. Et on récupère ça. Et c'est comment ça s'appelle? Du block of Dark Iron. Et on reçoit du Dark Iron comme ceci. Donc tout ceci, vous pouvez pas le savoir autrement que en m'écoutant. Avant que vous y alliez au bol. Parce que comment faire des diamond charge, on vous le dit pas. Vous pouvez regarder, hein. Ça vous dira pas comment on le fait. Pourquoi il fait aussi sombre ici? Donc pourquoi on utilise ça? C'est pour faire des barrels. Multidimensional barrels. Donc il nous faut des barrels. J'en ai encore 3, parfait. Il nous faut des ender perles. J'en ai encore un peu. Hop, je sais pas combien il en faut. Hop, et du cuir, j'ai vu. Voilà. Hop, comme ceci. Alors, tac, j'en ai 3, donc on va faire 3 directement. Hop, 3 barrels. Ah mince, on n'est pas assez. Bon, bah, il faudra que j'en refasse, les amis. J'en aurai 2, comme ceci. Et non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, comme ceci. Je refais la suite, je refais ça par la suite. Sinon. Je vais pas vous dire plus pour cet épisode puisqu'on y arrive à sa fin. Et donc on verra comment. Oh, c'est moche ça ici, il faut vraiment que je mette un autre truc. Alors, on peut placer ça ou pas? Ça m'étonnerait, voilà. Ouais, vous verrez comment ça marche ceci. Dans la prochaine fois, j'en aurai fait plus, comme ça je pourrais tout ça améliorer. Également tout le bois que j'avais ici, c'est pas ça s'est transformé en tout ça, donc vous voyez que la dose que j'en ai, je vous ai pas montré. Le bronze pour l'instant il est juste au coffre comme ça. Et sinon juste que le fer rouge s'est transformé en nickel maintenant. Si vous avez du fer rouge encore, ça va devenir du nickel. Le copper est devenu comme ça. L'or ça a pas changé. Le silver c'est devenu comme ça. Et le tin c'est devenu comme ça. Et sinon, je crois que c'est tout. À part ça, ouais, bah c'est tout bon, je crois. Non, je vous pas plus en fait, non. Donc, j'aurais juste vous montrer la quarry. Voilà, donc c'est ma deuxième quarry dans un monde tout à fait normal. Il y a juste. Wow, vous devez rien voir là, mais alors vraiment rien voir. Ouh là là, c'est vraiment sombre, ça doit être la nuit, c'est pour ça. Mais ça tourne quand même, puisque j'ai dû ramener. Oh, bah, elle est pleine encore, c'est bizarre, regardez. Ça produit alors qu'il fait nuit, c'est un peu bizarre. Bon, on voit pas trop là, mais voilà, donc c'est comme avant.
Les minerais, ils viennent ici et les cobble, le reste ça va là-bas. Donc il y a un peu beaucoup de bordel. Pourquoi je garde le cobble? Vous verrez pourquoi. C'est pour pouvoir faire des humateurs par la suite. Voilà. Je sais pas si vous avez vu grand-chose sur la fin. Merci d'avoir regardé cet épisode. Un petit like. Oh, pardon. On n'est pas sur Facebook. Un petit pouce vert. Un petit commentaire, un petit partage, un petit favori, etc. Me ferait bien plaisir pour mes 50 abonnés, ça serait gentil. Partager à max aussi pour qu'on puisse s'agrandir de plus en plus. Et sinon, vous pouvez rejoindre également ma page Facebook et mon Twitter. Et sinon, profitez bien et sortez couverts. Allez, bye bye.